Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le Power of Love carte oracle de Julia Saric et qui a été illustré par Fanny Vénambre, qui sort le 11 janvier aux éditions Good Mood Dealer, donc chez Très Daniel. Et je remercie Julia qui me l'a envoyé pour que je puisse le partager avec vous. Julia qui avait déjà fait le petit oracle de l'étoile bleue hein, que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà présenté. Voilà, ici, elle nous a fait un jeu. Euh, sur le thème sentimental, rien que la boîte est euh, magnifique. Bon, vous savez, moi j'adore tout ce qui brille, le côté euh, holographique ici du texte des petites étoiles. Euh, je trouve ça magnifique. Voilà, regardez même là encore, ça arrive dans une belle boîte aimantée. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Cet oracle composé de 45 cartes magnifiquement illustrées t'aidera à voir plus clair dans ta vie sentimentale et affective. Chacune des cartes invite à explorer un aspect de la relation amoureuse rencontre, passion, choix, jalousie, dépendance, sincérité, réconciliation, etc. Dans le livre de 124 pages tout en couleurs, tu découvriras les messages inspirants de tes guides ainsi que leurs conseils précieux. Que tu sois célibataire, en couple ou en croche, ouvre ton cœur et imprègne-toi de l'énergie puissante de cet oracle. Donc Julia Sarik, amoureuse de la carte au partage des tirages chaque jour avec sa communauté de plus de 200 cas d'abonnés. Elle est l'auteur du petit oracle de l'étoile bleue aux éditions Contredire que je viens de vous montrer. Et vous avez ici euh, son TikTok et son Insta. Et euh, Fanny Vénambre est illustratrice, adore créer des personnages et raconter des histoires d'amour en images. Et vous avez son Instagram ici. Il est au prix de 24,90 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien euh, vers Amazon. Si vous voulez passer par là pour vous le procurer. Sinon, bah, il sera disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Quand on l'ouvre, voilà. Bon, C'est vrai que j'ai déjà regardé. J'ai remis le livret derrière. Voilà, la boîte est comme ceci. Couleur de l'amour. Oh, franchement, la boîte est canon, enfin tout est canon. Euh, les illustrations sont magnifiques. Bon, les cartes, on va les mettre de côté pour après. On va d'abord regarder le beau guidebook qui est tout en couleur. Ça, c'est chouette. Voilà, donc le sommaire avec une des méthodes de tirage. Et puis, on passe aux cartes hein, à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà, ici, euh, elle vous explique que chacune des cartes de cet oracle comporte un mot-clé pouvant te donner un avant-goût de ton tirage avant de lire en détail le message qui t'est destiné dans le livre d'accompagnement, je t'invite à te poser quelques instants afin de t'imprégner de l'énergie des cartes qui sont ressorties pour toi. Regarde-les, ressens-les, que t'inspirent-elles Cela va te permettre de laisser place à tes intuitions, à ton intuition et d'autoriser véritablement ton cœur à s'exprimer et non ton mental. Ouais, donc ce sera vraiment Tirer une carte et essayer bah, de d'abord bien la regarder, voir ce qu'elle vous inspire, euh, l'intuition, avant d'aller lire le message du coup dans le guidebook. Voilà. Alors, dans cet oracle, tu découvriras également des cartes de datation. Celles-ci sont là pour te donner une idée de temps concernant certains événements à venir. Il y a aussi les cartes oui et non qui pourront t'apporter une réponse immédiate et te conforter dans tes ressentis. Alors, ici, on a les méthodes de tirage. La méthode à une carte, ça c'est bien pour se familiariser avec un oracle, tirer une carte, euh, voilà, tu vas pouvoir connaître l'ambiance de ta journée, d'un rendez-vous amoureux à venir ou tout simplement recevoir un conseil sur ce que tu traverses en ce moment. Voilà. C'est aussi la méthode la plus simple pour avoir une réponse claire, immédiate à la question. Ensuite, on a la méthode à trois cartes. Bon là, ça peut être passé, présent, futur, euh, blocage, solution, etc. Il y en a plein des tirages en trois cartes, hein, des idées. Ensuite, on passe à la partie des cartes. On a l'illustration en couleur en pleine page, son titre et le message. Voilà. Et on a ça du coup pour les 45 cartes. On va aller jeter un petit coup d'œil tout de même. Et les illustrations sont à tomber. Voilà. Ici, on a une petite photo de Sylvia. On la montre de plus près. Avec sa petite biographie. Julia, plutôt. Pourquoi je dis Sylvia maintenant De Julia. L'illustratrice euh, freelance depuis 2021, je ne sais pas si je la suis, il faudra que j'aille voir sur Instagram si je me suis abonnée ou pas à son profil, voilà, donc le livret est très chouette aussi, alors les cartes là, euh, magnifiques, regardez-moi oh, cette tranche holographique, bon moi j'adore, il y en a qui aiment peut-être moins, moi perso euh, j'adore, euh, le dos est comme ceci, regardez ici, vous voyez, c'est tout un effet de, de relief, le fil est en relief, c'est super joli, Enfin, c'est un vernis sélectif en fait, mais ça rend super bien. C'est trop trop joli qui entoure ce, ce petit couple-là. C'est trop joli. Bon, on va juste attraper une carte de tarot classique pour vous montrer la taille quand même. Voilà. Vous voyez, elles sont beaucoup plus larges et un peu plus hautes. C'est un chouette format. Elles tiennent encore bien en main. Ce n'est pas les tout, toutes grandes cartes. Elles ont un fini mat. Voilà, super agréable. La qualité est top. Rien à dire. On va les regarder ensemble. Donc, voilà. Elles ne sont pas numérotées. Ben non, elles sont pas numérotées. Donc, dans le guidebook, il faudra soit se, se référencer au sommaire, du coup, pour aller chercher le message, vu qu'il n'y a pas de numéro. Donc, l'amour véritable. À moins qu'elle soit classée par ordre alphabétique. Les blessures. Les illustrations sont magnifiques. Le choix. Ici, clairement, elle hésite entre une femme et un homme. La communication. Elle est jolie, celle-ci. Waouh Les conflits, celle-là, elle est puissante. Hein. On, sans, sans voir le titre, on a tout de suite compris que c'est la guerre. Là, la dispute, c'est pas le raté. Elle est puissante. Hein. Cupidon. <laughs> J'adore les personnages, comment ils sont représentés. Une dépendance affective. Elle est triste, mais elle est puissante aussi, celle-ci. La distance géographique, oui, pour ceux euh, qui, qui ont un amoureux à distance. Les doutes. Celle-là aussi est parlante. Hein. On n'a même limite pas besoin du mot-clé euh, pour comprendre ce que ça veut dire. L'entourage, elle est belle. Oh J'adore. L'évolution, elle est belle aussi, celle-là. Regardez les personnages comme ils sont beaux, j'adore. La femme, le flirt. Oh, j'adore ces boucles d'oreilles en chaussures. Enfin, dès qu'elle l'avait euh, montré quelques illustrations, je savais que j'allais l'adorer. Hein. La grossesse, elle est belle, à vendre. <laughs> L'homme, il est beau. L'invitation. Invitation à aller. Euh, premier rendez-vous. J'adore, on voit qu'il a un bouquet de fleurs dans son dos. C'est trop mignon. La jalousie. Ouais, Celle-là aussi est très parlante. Hein. Oh, elle est belle aussi. de l'amour. J'adore. Les mais elle est belle aussi. Waouh. Mariage. Avec la pièce montée. Les mensonges. Très parlant aussi. Le nom. Ah, le oui. Ah bah oui, le oui est plus loin. J'ai des rides suivre, mais non. À mon avis, ils sont classés par l'alphabétique avec les pouces vers le bas. Nouvelle rencontre. J'adore. Regardez dans les visages, on voit qu'il y a de l'intérêt à la personne qu'on qu croit. J'adore. Les nouvelles. Oh, Regardez les petits oiseaux ici, comme ils mignons. Oh. Le oui. Oh, là. Clairement, les pouces en l'air et le soleil. Le passé. Pause. J'adore les illustrations. Ici, on a les, les cartes de datation, du coup, de 1 à 3 mois, de 4 à 8. Ah, et c'est repris dans la montre. 9 à 12. cela là je vais peut-être juste les retirer les tirer quand on les mélange à rapprochement réconciliation mots qu'elles sont belles vraiment relation discrète relation éphémère j'aime bien le dient c'est la fin le retour il revient avec sa valise j'adore c'est trop comique la routine bah là on a clairement mais trop de dos boulot boulot hein bien illustré la rupture schéma répétitif quand on prend euh, enfin quand on enchaîne plutôt les, les relations de même type hein. sexualité elle est parlante aussi hein. la sincérité waouh elle est belle j'adore la solitude sortie et soirée stabilité elle est belle aussi celle-ci wow, la trahison elle est puissante aussi celle-ci hein. et on finit avec le triangle amoureux pro oh, j'adore franchement les illustrations sont magnifiques la tranche n'en parlons pas alors on va mélanger bon il se mélange très très bien il y a juste les trois cartes de datation je vais pas laisser dedans hein, vu que j'ai pas envie de tirer une de ces cartes là J'aime tout, le dos, mon tapis qui bouge, voilà. Bon, elle s'étale. Bon, elle glisse pas, euh, pchut, mais bon, elle s'étale quand même pas trop mal. On va prendre celle-ci. Ah, la dépendance affective. Zouf. Je vous la remontre. Hop, et du coup, bah, ouais, c'est classé, euh, je suppose, par ordre alphabétique. Bon, ouais, voilà, donc ça va pour s'y retrouver. Alors, le message. À travers cette carte, tes guides souhaitent te faire comprendre que tu es dans une certaine forme de dépendance affective. Il est possible que tu, aies, que tu en aies déjà conscience et que tu essaies de travailler dessus, ou alors, au contraire, que cela te paraisse normal et que tu n'en remarques pas les conséquences. Dans les deux cas, tu n'es pas totalement libre. Tu peux ressentir une peur très profonde de l'abandon, de ne pas être aimé, de rester seul. Un besoin constant d'avoir de l'attention, de te sentir encouragé ou encore rassuré. Tu dois te, rentre, te rendre compte que cela est un frein pour ta vie quotidienne. Ouais, euh, être dans la dépendance affective, euh, ben c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, d'en sortir, et ben ça peut nous pourrir la vie hein, et celle des autres aussi, malheureusement. Voilà pour le petit message. Moi perso, euh, franchement, euh, j'adore. J'adore la boîte avec euh, ces petits effets holographiques. Hein. J'aime bien les boîtes comme ça aimantées euh, qui sont pas trop grandes en plus en format. Le dos des cartes est magnifique. J'adore cet effet de relief. L'étrange, j'adore. Et alors, je suis mais, fan des illustrations que je trouve euh, bah, très modernes finalement. Les personnages sont euh, très modernes, très expressifs aussi, je trouve. Euh, on comprend tout de suite, euh, ben, comme, euh, comme euh, pas celle-ci, mais il euh, y en a certains où on comprend tout de suite, euh, ben, voilà, la jalousie par exemple, c'est clair, euh, on comprend tout de suite que c'est pas euh, sympathique euh, ben, ce qu'elle euh, ce qu'elle ressent, voilà. Et le livre est très très bien fait aussi, tout en couleur, voilà. Et ben, j'ai pas été voir du coup, euh, juste pour voir les périodes de datation, Moi, je suppose que, ouais, y a un petit texte, voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, je suis trop trop contente. Encore un grand 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 merci à Julia hein, qui me l'a envoyé. Merci pour ta confiance et un grand bravo parce qu'il est vraiment magnifique. Euh, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous l'avez précommandé, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous aimez les illustrations. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous